Bonjour. Alors, bon, hier on a fait un petit live bien sympa que j'ai mis en privé pour ceux qui veulent et avoir accès, ils peuvent me demander en chat ou en PV. Donc suite à ce live, bon, c'est un peu bien marré. On a parlé de gym à un moment. En fin de live. On n'aurait pas dû. Et on va faire un petit débrief de cela parce que c'est assez cocasse. Donc ouais bon, c'était un live qui a rien à faire sur YouTube. C'était juste de la discussion qui pourrait s'apparenter à un Discord privé qu'autre chose. Donc bon, j'allais pas faire perdre votre temps. Voilà, c'était du sérieux, il n'y avait pas de déconnade, il n'y avait pas de comme d'habitude de rigolade. Les choses que vous aimez bien au final. Quand c'est trop sérieux, quand c'est des discussions avec GG, etc. Ouais, bon, je vois que ça fait pas du, donc autant laisser ça à ceux qui demandent. Alors, sinon on va commencer. Ah oui, hier j'ai fait une petite vidéo sur ChatGPT 4, sur le match revanche. Donc on a vu que le robot il était pas au point. Donc on attend avec impatience la version 5 du GPT, mais à ce qu'il paraît, ils ont mis en suspens, parce que l'intelligence artificielle, soi-disant, va trop vite. Pour l'instant, on est vraiment à la limite. Quoique, bon, beaucoup de progrès à faire, notamment sur des jeux tels que les échecs. C'est. Ouais, ça vivote, mais pas très au point encore. Donc, il y a Vince qui m'a donné une idée de malade, c'est de faire un poker contre ChatGPT. Je me suis dit, ouais, tiens, je vais tester. Donc, j'ai commencé à parler avec, à simuler une petite partie. Et bon, à un moment, il a craqué, il a sorti un 5e as de sa poche. Je dis, oh non. Qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, on a fait une petite partie de Morpion que j'ai allègrement gagné. Il m'a laissé faire comment dire, les aligner trois ronds. Bizarre. Il jouait pas pour gagner. Enfin bref. Voilà le petit interlude par rapport à hier. Ouais, ça fait quand même. Commence à faire de la vue. Hein. Si ça. Ouais, ça va dépasser les 100. Comme la dernière, là, qui a dépassé les 200. Je suis assez content. Donc, je sais pas. Faudrait que je trouve un jeu en dessous des échecs, mais au-dessus. Peut-être le puissance 4, ça peut être marrant. Moi, je verrai, je réfléchis à un jeu qui soit pas trop complexe où il peut exprimer toute sa puissance de calcul. Puis voilà, on verra ça la prochaine fois. Alors, j'ai mis le petit sondage. Alors, au fait, ouais, tout part d'une information que j'avais complètement zappée parce que j'ai pas vu la vidéo de C2H. Ouais, c'est C2H, c'est ça. Qui parle plus de GM actuellement, mais qui en a parlé dernièrement. Où il aurait vu son profil sur Copain d'avant, où il s'est marré parce qu'il n'aurait soi-disant pas le bac. Donc on va voir ça tout de suite dans justement sur le site. Et justement, moi j'ai un petit doute quant à la véracité du truc. Alors est-ce que c'est Jim qui a fait un vrai profil? Donc pour cela, Team, oui c'est lui, ou c'est un troll qui aurait fait ce profil? Moi je pencherais plutôt pour le troll parce que ça a l'air trop gros, mais après, venant de Jim, tout est permis. Donc voyons le fameux parcours. Alors, parcours scolaire. Donc école Bachelet Saint-Ouen. Après, les informations semblent véridiques. Je crois il me semble qu'il a vécu là-bas quand il était petit. Alors, qu'est-ce qu'il faisait à l'école Bachelet? Donc c'était avant le collège. Ouais, c'était à l'école. Dormir et avoir peur des profs, des plus grands cons que moi. Donc ça c'était en 73-77. Ouais, les dates sont cohérentes. Donc ça doit être un fan hein, qui connaît toute la vie, surtout sur Jim. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait un truc comme ça parce que c'est quand même assez énorme. Déjà, bon, là on dit, bon, ok, ça pourrait être possible qu'ils mettent ça. Après, ouais, ce qui m'étonne, c'est que voilà, ça suppose que lui, il l'est, quoi. C'est ce qui m'a fait marrer. Après, au collège Jean Jaurès, je ne savais pas qu'il était là-bas. Bon, quelqu'un de très bien informé. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait au collège? Dormir de 8h du mat à midi. Ouais, généralement, c'est les heures de cours. Donc, lui, il dormait.
Pour finir ma nuit. Ah oui, problème de sommeil, l'ami Jim. Peut-être que la nuit, je ne sais pas ce qu'il faisait. Peut-être qu'il. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc on ne peut pas dire qu'il traînait sur le net pour voir justement les sites conspi, etc. Ou peut-être il écoutait la radio, les magazines. On ne sait pas trop ce qu'il faisait la nuit, mais en tout cas, voilà, il récupère ses heures des bons matins. Alors après, matin au soir, ne pas me faire adresser la. Ah ouais, c'est ça qui m'a fait marrer. Par des filles de ma classe dont j'étais amoureux, ou quelques bons souvenirs. Mais si rare. Et là, c'est là que j'ai débusqué le truc. J'ai dit non, c'est pas possible que Jim ait mis ça de lui-même. Alors après ce jour au collège, hein, la suite logique. Donc l'affaire. Donc, ah, si on regarde bien les dates, normalement, le collège c'est 3 ans. Et vous voyez les dates. 77-82, ça fait 5 ans. Déjà, ça fait un peu longuet. Et là aussi, attends, pour l'école, 73, 77, 13, 14, 15, 16, 17, 4 ans. Est-ce que c'est cohérent? Je crois qu'il y a 5 classes. Peut-être qu'il a sauté une classe dans l'école. Je sais pas, il doit avoir un petit bisbis sur les dates. Alors après, au lycée, bah pareil, m'emmerder en classe encore et encore. Me barrer de ce lycée pourri où l'année, d'après mon départ, il y a eu le. Ah oui, j'avais oublié ça. Le premier cas de viol. Non. Oh. Mais ça se trouve, moi, je crois qu'il en avait pas. Non, je sais pas s'il en a parlé ou. Parce que ça, je me vois trop Jim dire ça quoi, en live. Et ouais, c'était rapporté par quelqu'un. Je sais pas comment ça a été ce profil. C'est hallucinant. Donc, ça, c'était 82-83. Il a fait juste une année. Donc, il a fait sa seconde et après, il s'est barré apparemment. Ah oui, non, après, il a été au lycée privé parce qu'il était traumatisé par l'expérience. Alors, 83-85, 2 ans. Donc ça, c'est seconde, première terminale. Rater mon bac, faire chier le monde, surtout dentelle. Non, Denel. Enfin, ça, je sais pas. J'ai pas la ref. Et les filles de derrière, une vengeance de l'école qui m'a gonflé toute ma jeunesse, c'est dégueu. Ouais, non, mais là, c'est très étonnant que cette personne-là se retrouve au même lycée privé que Jim. Mais bon, j'étais jeune. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que le troll continue. Il est resté dans le même lycée, section d'enseignement professionnel du lycée privé Pétrel. Donc après, il a été dans le pro. Il a peut-être essayé de faire un bac pro ou je sais pas trop. Bah après, c'est pareil. Non, là, c'est mal foutu parce que c'est les mêmes années 83-85. Non, il y a trop d'incohérences, je pense que. Je pense que mes soupçons de trollage sont confirmés. Je pense pas que c'est lui. Et là, bah, je vous retourne vers vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez plus d'infos par rapport à la jeunesse de Jim, veuillez le dire en commentaire. Merci d'avance. Je vous